Bonjour à tous, c'est ici Cléa Sim. On se retrouve pour ce sixième épisode sur Civilization 6. Je vais y arriver. En guerre actuellement contre le Brésil et contre la Grèce. Sparte qui a décidé de nous attaquer. Alors pour l'instant on est en train de gagner assez facilement la guerre contre le Brésil. Je pense qu'on va aller prendre jusqu'à la cité de Fortaleza. Et puis après on pourra revenir. Hein. Le tout ça serait de récupérer les merveilles qui ont été construites ici. Ce qui serait très bien, et puis on pourrait gérer après tout ce qu'il y a de ce côté-ci. Ça devrait aller assez facilement. Ça permettrait peut-être d'éliminer le bouddhisme aussi, puisqu'on a la cité de Fortaleza qui est acquise au bouddhisme. Peut-être de progresser, on va voir. En tout cas, il faut améliorer notre arrière-pays, parce qu'on a perdu Baltimore, qui était une cité plutôt intéressante pour nous, et tradition du désert pour eux, et ok, tradition du désert. Donc il fallait gérer un petit peu tout ça. On est en train de fabriquer des unités qui vont nous servir. Alors on va reculer un peu nos unités. Hein. Le but c'est pas de prendre du dégât gratuitement quand même. Ça serait un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'on se met en position plus défensive au besoin. Continuer inspiration. Ok, merci. On va se reculer. Hein. Et pour l'instant on a cette colline qui nous gêne. Donc c'est vrai que c'est un peu bloquant pour le moment, mais on a des unités que l'on va pouvoir utiliser bien facilement. Et on va utiliser aussi, alors on n'a pas de cavalerie malheureusement, mais on a du char lourd. Qui pourrait être utile pour attaquer. D'accord, les unités de combat rapprochées peuvent endommager ces remparts. D'accord, donc en fait il faut vraiment qu'elles soient dans le coin. C'est une unité de soutien, le bélier, j'avais pas compris. Vraiment désolé. Mais on va pouvoir le gérer. Char lourd. 3 tours. Ouais, ça pourrait être pas mal hein, d'avoir beaucoup plus d'unités. Voilà. Inspiration pour les mercenaires, ça c'est gentil. D'ailleurs, il n'y a pas cette unité-là qui est ici, qui était en capacité. On va continuer de bombarder Rio de Janeiro. Et on va pouvoir prendre la cité. Alors beaucoup de destruction, on voit un quartier commerçant ici, bon il y a beaucoup de choses qui vont devoir être améliorées, on voit qu'ils ont pris des catapultes aussi, qu'ils en ont ramené, donc il va falloir démonter leurs catapultes, ça c'est à peu près sûr, et se diriger vers Fortaleza, comme ça on devrait annexer la ville, oui, bien sûr. Il n'y a qu'un quartier, et après il faudra gérer peut-être les unités qui sont dans le coin. Alors qu'est-ce que l'on peut construire? Des remparts, peut-être fabriquer ça pour avoir plus de nourriture dans un premier temps. Réparer ce qui peut l'être sous quelques tours. Nettoyer tout ça et s'attaquer à Fortaleza. On a suffisamment d'unités, je pense, dans le coin. On va mettre ça quand même bien en sécurité là-dedans. Unité en attente ici, parfait. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'attaquer comme on le sent, hein, cette histoire-là. Non, non. Donc on a Zanzibar qui nous a redéclaré la guerre, qui est repassé sous domination de notre adversaire. Mais on n'est pas trop en mal. Par contre, il y a des barbares, des bâtisseurs qui ont été pris. Et ça peut être bien parce que... D'accord, non, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout, en tout cas pas autant qu'on aimerait. Et là, on va se soigner. Il va falloir qu'on nettoie. Parce que vous voyez que les barbares, les bâtisseurs barbares ont été pris. Des archers, ok. Des unités en attente. Ça, tu vas pouvoir te soigner. Déjà, si on commence à éliminer les archers qu'il y a autour... de la cité de Baltimore, ça sera un bonus non négligeable. Alors
Alors ils nous ont pris notre vin, ce qui est pas pour nous aider, mais voilà, on a un guerrier de plus qui arrive. Et on va pouvoir faire le travail. Hein, des barbares sont en approche, oui. Mais des barbares qui vont mourir. On va attaquer ces catapultes. Une unité peut construire ici. Alors là, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on aurait besoin d'un monument pour avoir plus de culture? Oui, ça nous permettrait de progresser encore en termes de culture. L'oracle pourrait être intéressant. Le problème, c'est que l'oracle, ça, il nous faut un emplacement dégagé. Le Colisée, on peut pas. La pyramide, on peut pas. La zone industrielle pour chaque mine adjacente ou carrière. Et est-ce qu'on a beaucoup de carrières? On pourrait en fabriquer, en fait. Et par contre, de lieux sains. Qu'est-ce que ça donne les lieux saints? Cases de bois, pour toutes les deux cases de bois et pour tous les quartiers adjacents. D'accord, donc là, elle est pas trop trop mal. Le complexe de loisirs, bof. Et là, on devrait avoir un port et une rivière adjacente. Chaque port de la Royal Navy, campus pour chaque montagne ou autre. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 3 même ici. Là, on aurait un coin qui serait pas mal vraiment. Mais et là, plus de... Ouais, mais sur les bananes, donc c'est non. Les zones industrielles pour chaque mine adjacente. On a une mine, plus 1, plus 1. Il faudrait rajouter des mines en fait, ce qu'on n'est pas en train de faire. On va faire comme ça pour l'instant, on va faire un peu de défense. On pourrait augmenter de ce côté-ci, on va essayer de reprendre Stockholm pour protéger, enfin blesser les arrières. Parce que là ça pourrait être très bien. Alors déjà toi tu vas abattre l'unité qui est ici. Si on peut s'enlever un archer, ça sera toujours bien. Unité en attente. Ah, ok, celle-ci va se soigner, parce qu'elle est vraiment pas bien. Et de ce côté-ci, bon, on a fait le tour en fait, hein, Pour l'instant, d'autres archers se préparent, d'accord, se présentent. Ce qui devrait nous permettre d'écraser un maximum d'archers pour reprendre Baltimore. Hein. Si on arrive à refaire suffisamment d'archers, ça sera parfait. Un char lourd, ça sera très bien. Ça me permettra d'avoir une vision aussi. Voilà, plante-toi là où il faut. Ça c'est très bien. Et en termes, alors on aurait une promotion qu'on ne va pas utiliser tout de suite parce que pour l'instant, on veut éliminer d'abord les archers. Voilà. Comme ça, nos archers sont en position supérieure. Ville affamée ici, ça c'est pas bon. Aménagement pillé, les barbares ont pillé Rio de Janeiro encore une fois. Ils vont pas piller longtemps. Hein. Ok, catapulte détruite. Ce qui va nous permettre de progresser. Alors là, par contre, vous voyez qu'il y a des remparts. Donc ça, c'est beaucoup moins bien. On risque de se faire attaquer. Donc il va falloir se mettre en défense. Promotion d'unité, ça c'est bien. Eureka, c'est parfait. Et de ce côté-ci, un marché. Est-ce qu'on peut reprendre notre marché ou notre université? Je partirais bien sur l'archer pour avoir un peu plus d'argent temporairement. Parce que là, les unités, on en a assez pour prendre la cité.
Aïe aïe aïe, ça fait mal par contre. Non mais attends, c'est hors de question que tu nous laisses ça comme ça. Ok, donc là on devrait réparer quelques éléments, ce qui sera très bien. De ce côté-ci, est-ce qu'on peut attaquer la ville? Pas vraiment, donc on va avancer déjà. Non, je vais devoir reculer, je pense. Ils vont m'attaquer. Est-ce que je peux améliorer... Je vais les réparer, les soigner. Parce que je pense que les spadassins vont essayer de m'attaquer et on va prendre, on va perdre quelque chose. Ok, mes archers se font attaquer. Ah oui, ils ont décidé que ils faisaient pas semblant en fait. Alors là, ils m'ont pas attaqué. C'est bizarre. Je vais essayer de me diriger ici pour laisser mes archers loin de la cité en fait. Vraiment leur éviter un quelconque problème. Puissance d'attaque, ça par contre, on va l'améliorer. Ça sera très bien. Et de ce côté-ci, pour l'instant, activité insuffisante. Ouais, bah, tu permets, on fait ce qu'on peut. Lieu sain réparé, il nous faudrait 13 tours. Moulin à eau réparé, nourriture, etc. Améliorer. Monument réparation, ça donnerait plus de culture. Et là, on pourrait partir sur les pyramides, par contre. Ça, c'est bien. Plein de choses intéressantes. Donc toi déjà, on t'élimine parce que je veux pas que tu nous attaques là où on ne veut pas. Et la cité prend quand même quelques dégâts. Santé des fortifications, 41%. Est-ce que... Il y a les fortifications déjà à détruire hein, pour un premier temps. J'aimerais bien me servir de cette unité, mais elle sera pas assez efficace là où elle est pour le moment. On perd un peu d'or, par contre, va falloir faire attention. Ça nous gêne, hein. Ils font du dégât. Et là, ils sont en train de construire quoi? Non, c'est une carrière, d'accord. Ok, la catapulte. Se briser n'est pas le propre des machines. Les hommes en sont tout aussi capables. C'est vrai, on est tout aussi capable de détruire les machines. Est-ce que... Gorgo est en avance sur nous, ce qui me plaît moyennement. Les piquets, par contre, me serviraient bien. Et là, il y a une colline là au milieu. Ça, c'est une colline, hein, c'est bien ça. Propriétaire Brésil Colline, ouais, c'est ça. Donc il faudrait. Là, on est sur une prairie. Donc en fait, il faudrait qu'on puisse se mettre ici pour vraiment pouvoir terrasser la cité dans la mesure du possible. Okay, les défenses sont tombées un petit peu, mais ça va être compliqué si on n'a pas plus d'unités.
Ok, on est en position pour défendre. Là, on devrait avoir plus d'argent sur ce tour-là. Le problème, c'est que nos archers sont en train de prendre des dégâts quand même. Non. À la rigueur, on pourra gérer Fortaleza plus tard hein, s'il y a besoin. Mais j'aimerais bien récupérer la merveille qui est ici. Ok. Et est-ce que j'aurai le moyen? Un bâtisseur, il faudrait peut-être un négociant supplémentaire pour gagner plus de d'argent. L'université, on en aurait besoin. On a besoin de beaucoup de choses en fait, mais qu'on ne peut pas forcément réaliser immédiatement. Donc, c'est un petit peu gênant. Ok, on arrive à, en blessant un peu nos unités, à reprendre la cité petit à petit, mais ce qui veut dire qu'on pourrait la reprendre au tour suivant. Donc là, il faut soigner, là, il faut qu'on... Si, je peux tirer de là. Promotion disponible. Donc normalement au tour prochain on pourrait récupérer de la santé pour éviter justement que la cité ne soit pas utile. Et en fait Gorgo doit s'occuper je pense de cette cité, de cet élément-là. Non, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Ok, donc là on a une promotion. Une attaque supplémentaire par tour sur une unité n'est pas déplacée. Oh, ça peut être très bon ça. Et on pourrait même faire progresser cette unité là. Mais pour l'instant j'ai pas d'argent. Donc on va bien gentiment patienter. Alors je fais attaquer mes lanciers, puisqu'ils ont plus de chances de prendre la ville, bien sûr. Pardon. Ok, donc on a réussi à reprendre notre cité, ça c'est déjà très bien. Baltimore n'est pas forcément en bon état, Stockholm, voilà, c'est pas excellent non plus. Mais il va falloir qu'on revienne très rapidement jusqu'à ce côté-ci, avec notre unité tranquille. On va refaire la route de ce côté-ci, et ensuite on l'enverra sur Salvador de Bahia, puisqu'on a besoin de nourriture. On va repartir sur des remparts très rapidement. On aura un moulin à eau à réparer ouais, sous 3 tours. Ça peut se gérer, je pense. Et on va se mettre en position ici. Inspiration donc pour la fidélité, non, féodalité, pardon. Et promotion disponible ici aussi. Donc on va pouvoir faire du dégât. Hein. Avec tout ça. Tiens, on a des unités jaunes que j'ai vu passer ici. Alors, détruisons les murs. Et on a droit à 2 tirs, donc autant en profiter. On va attendre un petit peu parce qu'on sait qu'on peut servir de soin là-dessus, donc on va tirer bien sûr.
Et là, on est en soins, donc c'est parfait. Unité ici, ça c'est bien. On a de la cavalerie ici qui essaye de passer. On va peut-être se mettre dans les fourrés. Donc, déjà, toi tu vas te soigner. Et s'il essaye de passer, on devrait quand même pouvoir rapatrier du monde. Était en attente, toi tu vas te soigner. Ah non, elle pouvait progresser, bah tant pis. Là on pourrait les passer en arbalétrier. On regagne un peu d'argent, donc ça c'est très bien. Mais pour l'instant, on se met en position. On va se mettre en défense et dès qu'on pourra, on viendra sur Washington. De toute façon, on devrait être en capacité de se défendre. Oui, j'ai dit me défendre, s'il vous plaît. Non, non, non. Tu vas apprendre à disparaître. Hein. T'as voulu jouer à ça. On va jouer ensemble. Il n'y a pas de problème. Alors, une cité. Rio de Janeiro. Alors, maintenant, le moulin à eau pour de la réparation. Ça me va très bien. De ce côté-ci, on va retirer sur la cité. Une fois, deux fois. Là, on est passé à 147. Ok. Notre guerrier est en train de se soigner. Parfait. Là, tu veux jouer à ça, t'es sûr? Ah, il y a un camp barbare ici. Ouais, bon, on s'en occupera plus tard du camp barbare. Pour l'instant, on va aller défendre nos villes et là comme ça on aura un arrière-pays qui sera défendu. Ok, bah attaque nos guerriers, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on est en guerre avec Stockholm? Non, non, on est en paix avec Stockholm, il n'y a que Zanzibar qui nous attaque. Donc c'est parfait. Comme ça, hop là, cette unité là sera réglée pour le coup. Allez, défendez-vous. Promotion ici. Il n'y a pas de nécessité encore. Il se soigne ou... Alors, une unité. Donc, de ce côté-ci, est-ce qu'on peut partir sur l'université? Ouais, ça serait pas mal pour progresser. Et toi, par contre, tu vas aller sur Salvador de Bahia pour... non, non, non. D'abord sur Baltimore, pardon. Puisqu'on a à finir la route ici. Ça d'accord. La ville est affamée ici. Ça marche, on gère, on gère. Et toujours 124. Donc il faut essayer d'aller plus bas que 124. Il a pris 20 points. Ok, 105. Donc ça diminue et notre unité de guerrier est quasiment, en état. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Et Baltimore, grenier réparation. Ça donne de la nourriture. On va partir sur des remparts quand même parce qu'on est contre Gorgo. On pourrait commencer à avancer, mais j'aimerais que mes unités d'attaque soient en état. Non, 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 non.
Ah, tu vas mourir, hein. Clairement, on va pas te laisser t'en sortir comme ça. Alors, ça sera pas la plus jolie des victoires, c'est sûr, parce que ce sera une merveille achevée. Les pyramides, d'accord. Comptoir commercial établi entre Washington. Ok, on a quand même des bons comptoirs commerciaux. Donc, comptoirs commerciaux ici. Qu'on va refaire entre Salvador des Bahia. Et je vois que Curitiba est devenu bouddhiste, ce qui me plaît pas beaucoup. Faut bien l'avouer. Mais on n'a pas trop le choix pour l'instant, on n'a pas choisi de religion. Et si j'attaque ici, ouais, ça changera pas forcément grand chose. Par contre, toi, ah, mais il est pas bien mon char, hein. Alors, ici, on avait des problèmes de nourriture. Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte à faire un bâtisseur? Ouais, mais 18 tours le bâtisseur. Et le grenier 17 tours. Peut-être faire ça. Le lancier, on va pouvoir le sortir. Et commencer à se diriger vers la cité qui est par ici. Parce que je vois qu'il y a un petit bâtiment qui est en train de La construire, c'est stratégie Saint-Sophie. requiert de la réflexion, la tactique. Toi, tu es améliorable. Puissance de combat contre les unités rapprochées, ce sera très bien. Prends soin, toi t'es amélioré. On va venir par ici. Donc, il nous faut des technologies. Est-ce qu'on peut partir sur l'étrier pour avoir... Ouais, mais ça nécessite du fer, ce que l'on n'a pas. L'éducation a été recherchée. Construisez une université adjacente à quoi? À une montagne. Pour le palais du Potala qui permet d'avoir la culture et de la foi. Ça peut être pas mal ça. Grand Zimbabwe, ça permet quoi? C'est une merveille, d'accord. Ici, un ingénieur militaire qui permet de construire des routes, des forts et des pistes d'atterrissage. D'accord. Je me dis que partir sur la défense un petit peu, peut-être la poudre à canon, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors malheureusement on n'aura pas le dernier, mais déjà on sait qu'au tour prochain normalement on élimine les Brésiliens. Ce qui veut dire que les unités qui sont là théoriquement devraient être détruites. Et on peut avoir un personnage illustre en la personne de... Aethelflaed, qui est cet homme? Donc c'est puissance de combat plus 5 et pour les unités terrestres du Moyen Âge de la Renaissance dans un rayon de cases. Création instantanée d'un chevalier. C'est pas mal ça. Le développement de notre armée a... Ça c'est pas mal et ça nous fait un guerrier pas négligeable. Par contre... Alors un bélier c'est à détruire automatiquement, hein. C'est pas négligeable, c'est pas négociable.
Ça, c'est à peu près sûr. Lui, par contre, il va venir ici. Parce qu'il va améliorer nos unités. Donc, autant en profiter. Ah, il dort pour l'instant. Merci. Et donc, on devrait pouvoir faire tomber sur ce tour-là. Allez, on va assurer le coup. Desses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Eh bien, comme ça, vous serez intégré à notre territoire. Et donc, on a récupéré pour le coup Stone Age. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a récupéré aussi. Il va falloir faire nettoyer un peu les quartiers, mais on va devoir voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Zanzibar semble toujours. Notre adversaire, donc il va falloir se faire un petit peu attention à ça. Qu'est-ce que l'on a ici? Ok, activité insuffisante. Parfait, donc bon, on a toujours cette religion bouddhiste qui se propage un petit peu de partout. Ce qui n'est pas pour nous arranger, mais on va pouvoir gérer l'arrière-pays maintenant. Peut-être faire des routes aussi entre Curitiba par exemple et Fortaleza, ça sera très bien. Si vous souhaitez aussi, pourquoi pas proposer des noms pour les cités, pour les renommer, si ça peut vous amuser avec un petit RP ou quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi, hein, ça peut être très intéressant. On va annexer la cité bien sûr. Ça sera parfait. Et par contre, les annexions, activités insuffisantes, etc., ça sera géré. Donc, on va finir le tour avec tout ça. Moulin à eau, grenier, etc. Parce que ça a cassé toutes les activités qu'on avait faites, c'est ça? Lieu sans réparation. Monument, grenier. Et moulin à eau. On va être pas mal. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, partager la vidéo. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.